le vaisseau que je dirige est une institution de microfinance rurale. Nous avons fait le choix stratégique de vouloir servir nos clients dans leur lieu de vie. Et nous sommes rendus compte que cela entraîne des coûts très importants pour l'institution, notamment en termes de charges de fonctionnement, mais aussi en termes de sécurité pour les ressources que nous utilisons pour servir nos clients. Et à l'issue de cela, nous avons réfléchi pour pouvoir trouver des solutions alternatives, pour pouvoir continuer à servir nos clients au moindre coût, tout en assurant notre pérennité et notre rentabilité. Nous avons pensé à différentes solutions. Nous avons fait finalement le choix d'utiliser la solution digitale. Et pour pouvoir mettre en œuvre cette solution, nous sommes rentrés en contact avec beaucoup de partenaires. Et finalement, c'est avec ADA Luxembourg que nous sommes entendus pour pouvoir monter un programme ensemble dans une de nos zones d'activité. Nous avons opté pour une solution en partenariat avec une compagnie de téléphone qui intervient au Mali et qui a déjà ses installations et qui intervient dans la zone où nous voulons travailler. C'est la solution de la téléphonie mobile pour pouvoir faire l'ensemble des opérations que nous effectuons avec nos clients avec la téléphonie, notamment les opérations de financement, les opérations de remboursement, les opérations de collecte d'épargne et les opérations de collecte des frais de dossier et d'intérêt. Donc, c'est une solution intégrateur qui nous permet, nous, en tant qu'institution de microfinance, d'utiliser la plateforme de l'opérateur téléphonique, l'opérateur téléphonique pour pouvoir continuer à servir nos clients directement sans forcément une présence physique, ce qui nous permettrait, nous, de pouvoir réduire nos coûts et les frais généraux que nous engageons pour pouvoir servir les clients dans leur lieu de vie et assurer la rentabilité. En tout cas, à l'issue de cette phase de test pilote, nous sommes très, très satisfaits de cette solution. Bien qu'elle n'est pas totalement complète, parce que jusqu'à présent, il y a des parties manuelles, pas automatisées, mais la solution nous a permis déjà de confirmer nos attentes, notamment de pouvoir servir nos clients à partir du téléphone et de recevoir des remboursements, de pouvoir les traiter et les intégrer dans nos opérations, ce qui est une grande, grande satisfaction. D'ailleurs, c'est une première au sein de notre institution, mais aussi une première, à mon avis, au Mali. Nous sommes pionniers en la matière. C'est vrai que le tout n'est pas complet avec ces catégories d'opérations que nous sommes obligés aujourd'hui de traiter manuellement. Mais la satisfaction aujourd'hui au sein de l'institution, elle est totale. Et pour cela, nous sommes très, très ravis aussi de ce partenariat que nous avons eu avec ADA, avec cet accompagnement technique et financier qui nous a permis de faire ce test et de valider certaines de nos attentes et de pouvoir nous projeter pour l'avenir qui nous permettra, non seulement d'élargir nos champs d'activité, mais aussi de pouvoir réduire nos coûts de fonctionnement, qui constituent aujourd'hui une grosse préoccupation pour notre institution.